Bonjour à toutes et tous, Last Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici, sur ma chaîne, enfin, pour un nouveau sujet de vie en gameplay. Alors, au préalable, avant de commencer, je vais vous mettre voilà, une petite capture d'image. Si vous voulez pas manquer une seule de mes prochaines vidéos, si peu soit-elle, vous cliquez sur la petite cloche que vous avez là, entre le mot abonné et le nombre de mes abonnés, et puis vous cochez de recevoir toutes les notifications relatives à la chaîne, comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas louper une de mes prochaines vidéos si vous êtes toujours intéressé par ce que je fais. On va traiter aujourd'hui d'un sujet transversal, voire même un sujet qui pour moi régit beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans la vie. C'est la motivation. Alors, on va tout d'abord définir ce que c'est que la motivation. Alors, pour moi, c'est un processus qui règle son engagement pour une activité précise. C'est lui qui détermine, si vous voulez, le déclenchement dans une certaine direction avec une certaine intensité souhaitée, bien évidemment. Et c'est ce processus qui assure la prolongation la prolongation ou l'aboutissement ou l'interruption de la motivation. C'est ça, c'est tout simplement un processus voilà, qui a une certaine intensité, une certaine direction et qui s'arrête ou qui perdure dans le temps. Vous savez, la motivation, elle est partout et je pense qu'elle est surtout nécessaire à l'accomplissement de soi. Elle est présente partout, dans les études, l'amitié, la réussite, l'échec, l'envie, l'avancement, le bonheur, l'école, la vie en fait, tous les contours précis de la vie. Et je crois qu'il existe des centaines de moteurs de satisfaction autour de nous sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir envie d'aller de l'avant. Voilà, de toujours, si vous voulez, faire mieux que ce qu'on pourrait faire, voilà, d'aller vraiment d'avancer dans la vie. Le souci en fait dans cette philosophie entre guillemets, c'est que on évolue dans un monde où je trouve que la violence et le médiocre ou la difficulté sont mis en avant. Quand je pense par exemple à des médiocrités, je pense à la télé-réalité. Il y a beaucoup malheureusement de gens qui se font de ça un idéal. Il y a beaucoup, c'est pas le cas, mais ça existe. Et je pense que cet idéal-là pointe plutôt les obstacles de la vie. Et au lieu de mettre en avant, si vous voulez, les sources de réussite, et c'est en mettant en exergue, en avant ces obstacles, qu'on finit par douter. Alors, vous allez me dire, c'est bien sympa, c'est cool de dire ça, de se motiver, machin, mais bon, vivre le jour, c'est pas forcément non plus l'idéal, et c'est vrai. Il y a un danger du moment présent. Vivre dans l'instant, c'est super positif, ça permet d'ailleurs de prendre, je pense, conscience de ses émotions et de mieux cerner l'environnement et de profiter de l'existence sans forcément qu'on soit dans l'attente. Mais, comme toute médaille, il y a un revers. Et je pense que se focaliser uniquement sur ce que t'aimes, sur ce qui t'arrive, c'est parfois ne s'intéresser qu'au problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vit que le moment présent et qu'un problème arrive, eh bien, on ne s'y attendait pas. Ouais, parce que forcément, on carpe diem, on vit au jour le jour, à la seconde seconde, et on ne s'attendait pas au problème. Et on oublie que par le passé, on a été capable de surmonter des problèmes similaires, sans comprendre non plus que le temps, hein, puisqu'on ne fait pas attention, le temps, c'est aussi l'une des clés majeures de la résolution de beaucoup de situations délicates. C'est pour ça que je pense que se focaliser sur un problème à un instant T, ce n'est pas forcément une solution. Je pense qu'il est évident, important d'écouter nos émotions. Elles peuvent pas nous guider, mais elles peuvent pas non plus régir tous nos choix. Mais je pense que nous sommes le fruit de l'expérience. Et la vie, c'est un cumul d'expériences. Et quand je dis expérience, je réunis bien évidemment bonheur, malheur, réussite, échec. Pour se motiver dans la vie, pour garder confiance, je pense qu'il faut garder à l'esprit les victoires qu'on a eues, les succès qu'on a eues, afin qu'on habitue notre petit cerveau à adopter tout simplement le bon réglage, celui de la réussite, plutôt que celui de la culpabilité, à permanence se dire « j'y arriverai pas, je suis pas bon, je culpabilise ». Voilà, je pense que c'est vraiment garder confiance en soi tout simplement. Se motiver dans la vie, c'est aussi comprendre que chacun de tes choix peut changer ta vie, en bien, en mal, peu importe, chacun de tes choix peut changer ta vie. Je pense que ça, c'est important. Vous savez, il y a une multitude de terrains pour l'amélioration.
J'ai déjà abordé en vidéo, mais je sais, on sait, pour ceux qui m'ont suivi depuis un moment, que l'échec, il est à relativiser l'échec. On considère trop souvent l'échec comme une preuve de manque de qualité, et pourtant c'est le meilleur professeur de vie. C'est un élément qui permet de mettre en lumière tout simplement les solutions qui fonctionnent et celles qui mènent nulle part. Juste le fait, par exemple, que l'absence de résultat, c'est pas une preuve d'incapacité, c'est une preuve de lacune. Et ça, c'est ultra différent. On n'est pas incapable de faire quelque chose, on a des lacunes pour le produire. Qui dit lacune, dit que c'est le cœur de la motivation. Si on a des lacunes, justement, motivez-vous pour parfaire cela. C'est parce qu'on a des lacunes que c'est l'essence même de l'amélioration et de la motivation. Pour moi, quand j'ai des problèmes, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, quand j'en ai tout simplement, quand j'ai des lacunes pour pas y arriver, ben je me motive, je me dis, bon, il me manque ça, il faut que à tout prix, je me bouge le cul pour trouver ce comment je peux y arriver. Voilà. Je pense qu'on peut combler les lacunes en faisant des efforts, en travaillant, mais la vie, ce n'est pas juste du travail, ce n'est pas seulement le sport, ce n'est pas seulement les potes, ce n'est pas seulement, si vous voulez, le cercle social ou la famille. C'est un tout juste équilibre entre tout ça. Et malheureusement, on a beaucoup trop tendance à se focaliser sur le problème. Mais la motivation, vous savez, on la trouve justement dans tous ces cœurs que je viens de vous donner. On la trouve dans une partie dans la famille, une partie à l'école, une partie au sport. On trouve toutes ces clés-là pour se motiver et pour justement surpasser les problèmes. Et puis, il y a une clé essentielle. Je pense que pour se motiver, il faut avoir des vrais objectifs. Il faut savoir aussi les échelonner. Savoir ce dont on est capable. Il ne faut pas avoir trop petit, mais je pense qu'il ne faut pas avoir non plus trop grand. Je pense que c'est très important d'avoir des objectifs, parce qu'il y en a tellement qui n'en ont pas. Vous savez, le succès, c'est le résultat de l'effort et du courage. Pour vous donner une image, un avion, quand il décolle, il brûle 80% de son gasoil. Ce qui veut dire que ce n'est pas le vol le plus dur, c'est le décollage. Et bien, c'est pareil pour la vie, c'est pareil pour la motivation. Le plus dur, c'est de décoller. C'est de s'y mettre, ça brûle beaucoup d'énergie, mais une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, ben ça vole comme un avion, tranquillement, avec bien évidemment quelques problèmes qui apparaîtront sur le chemin de votre réussite personnelle, mais elle est là, la clé. Alors, je vous parle des objectifs, je pense qu'il est important, je vous l'ai dit, de vous se fixer ces objectifs, mais vous allez me dire, c'est sympa, The Last Memory, Fabien pour les intimes, tu me dis, fixe-moi des objectifs, mais je commence par où, moi? La motivation, c'est vrai, elle est ultra facile à comprendre, mais beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. En vivant l'instant présent, comme je vous ai précédemment dit, on apprécie la valeur, mais on peut voir également les challenges qui surgissent, comme plein de choses dans la vie. Et on peut voir également, malheureusement, quand on vit dans l'instant présent, des challenges plus gros qu'il n'y paraît, plus gros qu'il n'y paraît. Et je pense que pour se soucier de ça, pour aborder ce genre de choses, je pense qu'au-delà du travail, la rigueur, l'organisation, l'anticipation, ça entretient la motivation pour y parvenir, tout simplement. Tout le monde a des rêves. Mais dans les faits, je pense que moi j'ai été dans ce cas-là, et vous l'êtes également, dans les faits, peu de gens les poursuivent. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société, je vous l'ai dit, qui met en avant le médiocre, mais aussi dans une société dont le mot ambition est mal vu. Ça engendre de la jalousie. Voilà, et c'est vrai que c'est difficile de se motiver pour réussir parce qu'on a l'impression qu'on va se faire que des ennemis. Et pourtant, je pense qu'on attache beaucoup trop d'importance à ce que peuvent penser les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut se rendre compte que le but dans la motivation, c'est pas la réussite au travers du regard des autres, c'est votre foutue réussite personnelle. Être fier de ce que vous avez fait, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez accomplir, être fier de vous, auprès de vous-même, mais également auprès des gens qui vous aiment. Le seul regard des autres qui est important, c'est celui de la personne qui partage votre vie, mais aussi celle de votre famille, votre socle, ce qui vous a permis de vous intégrer dans la société dans laquelle vous êtes. Il faut être fier de ça. C'est au-delà des objectifs. Voilà. Je pense que, pour vous donner une image, échelonner un objectif ou l'anticiper, je vous donne l'image de la maison. L'objectif, c'est d'avoir une maison, par exemple. Ben, il faut savoir que pour une maison, il faut des murs. Pour des murs, il faut de la matière première. Pour de la matière première, il faut de la logistique, il faut des achats, il faut des devis, il faut des tableaux, des dessins. Voilà, c'est pas que le mot « tiens, mon objectif, c'est une maison ». Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la maison ? Il faut vraiment avoir conscience, je pense,
de ça. Alors vous allez me dire, après tout ça, comment on fait pour se motiver, pour réussir? Mais dites-vous que vous visez forcément quelque chose. Tout le monde vise quelque chose. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est trop dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Et c'est déjà top en soi d'avoir des objectifs. C'est déjà top d'avoir une idée de ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Et il faut tout simplement, je pense, faire les efforts nécessaires. Voilà. Parce que dans les faits, on ne sait jamais à quelle distance du succès on peut baisser les bras. Voilà pourquoi il est très important de se donner les moyens et de surtout ne pas baisser les bras avant. Voilà, motivez-vous, parce que vous ne savez jamais jusqu'où vous pourrez aller. Jamais à quel moment vous allez baisser les bras, peut-être parce que vous n'y arriverez plus, peut-être parce que tout simplement vous êtes arrivé à votre objectif. En conclusion, si vous le voulez bien, que signifie la motivation et la réussite? Parce que c'est ça la vraie question. On a la fâcheuse tendance à se mettre des limites sans même essayer. Mais je pense que c'est dans ces limites qu'existe la peur de réussir. Et je pense que pour éviter ça, il convient de comprendre un simple truc, ce que réussir veut dire. Et surtout, est-ce que c'est une nécessité, une simple récompense, un espoir? Je pense qu'il faut simplement se demander un truc très simple. Quelles sont les limites qu'on peut nous fixer? Et je pense que la motivation et la réussite, elle utilise les clés à cet endroit-là. Voilà. Dites-vous simplement quelles sont les limites que je peux et que je dois me fixer pour arriver à ce que je voudrais. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon nouveau sujet de vie avec moi. Je suis content de vous retrouver. L'espace commentaire est toujours là pour vous, pour partager vos événements de vie, la motivation que vous avez, vos objectifs. Est-ce que vous vous donnez vraiment les moyens? Est-ce que vous pensez que vous y arriverez? Quels moyens vous utilisez? Voilà, il est là pour ça, l'espace commentaire. Je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée. Tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. D'ici là, surtout, et c'est le plus important, prenez soin de vous. Adi Schatz.